La 505 GT des Turbos est un véhicule de haut de gamme destiné principalement à une clientèle à revenus élevés, sensible à l'image et au standing de la voiture. Elle est composée de gros rouleurs qui recherchent l'économie d'utilisation du diesel. La 505 GT des Turbos est par excellence la voiture de l'homme qui n'a pas de temps à perdre. La 505 GT des Turbos dispose de toutes les caractéristiques d'une grande routière. Son nouveau moteur est désormais équipé d'un échangeur RR. Il développe une puissance de 110 chevaux à 4150 tours minute. Cette amélioration porte également sur le couple qui passe de 21 à 24 mètres kg à 2000 tours minute. La vitesse maximale est maintenant de 178 km/h, soit un gain de 8 km/h. Également des accélérations plus franches et plus rapides. Le 1000 m en 34 secondes 5 et le 0 à 100 en 13 secondes. La 505 GT des Turbos est en plus équipée de 4 freins à disque. En résumé, un gain de puissance de 15 chevaux, un gain de couple de 3 mètres kg, des performances plus brillantes pour une consommation moyenne réduite d'environ 4%. La 505 GT des Turbos n'a rien à envier aux berlines essence de haut de gamme. Sa ligne, son esthétique extérieure sont parfaites. Son équipement intérieur comporte tout ce qu'il est possible d'exiger aujourd'hui d'une voiture de grande classe. Satisfait? Sans aucun doute, car la 505 GT des Turbos, voiture des grands espaces, allie avec bonheur performance, économie, confort et standing. La 505 Turbo Injection est conçue pour se jouer des difficultés de la route. Elle est faite pour des clients aisés, amateurs de performance, de haute sécurité et de confort de conduite. Ces clients apprécient les véhicules dont les équipements techniques sont valorisants et synonymes de sportivité. La 505 Turbo Injection possède une vitesse de pointe de 210 km/h et passe de 0 à 100 en 8 secondes 4. La 505 Turbo Injection 1987 bénéficie d'innovations techniques qui renforcent son image de sportive. Son train avant a des ports réduits et sa direction à assistance variable, très douce pour les manœuvres de parking, plus ferme à grande vitesse, lui confère une grande précision et un merveilleux confort de conduite. 210 km/h, c'est bien, mais en cas d'urgence, freiner sans faire fumer l'asphalte et aggraver son cas, c'est possible. Car la 505 turbo-injection est équipée du dispositif ABS, technologie de pointe dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Également l'adoption de déflecteurs souples latéraux, le renforcement de l'étanchéité de la face avant et la présence de double joints d'étanchéité sur les portes contribuent à l'amélioration du CX et du niveau sonore à l'intérieur de l'habitacle. Extérieur, un filet de caisse, de nouvelles jantes en alliage léger, rehaussent son standing.
nouvelle venue dans la gamme 505, en année modèle 87, la 505 V6 est destinée aux amateurs de 6 ou 8 cylindres, charmés par la souplesse et le silence de ce type de moteur. Ses clients recherchent un véhicule de classe haut de gamme, au confort bourgeois, dont les performances leur permettent d'atteindre, s'ils le souhaitent, une vitesse de croisière élevée. La 505 V6 répond aux clients les plus exigeants. Berline de grande classe, elle l'est par ses apports technologiques de haut niveau, sa finition, ses équipements. Côté motorisation, un nouveau V6 entièrement repensé de 2,8 litres de cylindrée, doté de l'injection électronique Bosch LH, d'un allumage électronique intégral à avance cartographique. Le nouveau dessin du vilebrequin assure la régularité du cycle d'allumage, supprimant ainsi toutes les vibrations parasites. L'ensemble de ces nouveautés confère également à ce nouveau V6 une puissance de 170 chevaux et une vitesse de pointe atteignant 205 km/h. Le tout servi par un couple dépassant 20 mètres kg des 1600 tours minute. Pour atteindre 24 mètres kg à 4500 tours minute. Résultat, une souplesse et un agrément de conduite incomparables à tous les régimes. Une consommation plus que raisonnable. Et en outre, la tranquillité grâce au système d'autodiagnostic par affichage de voyant au tableau de bord. Confort et performance vont de pair avec sécurité. C'est pourquoi, en plus de ses 4 freins à disque, dont 2 ventilés à l'avant, la 505 V6 reçoit le dispositif ABS de série, qui assure un freinage efficace, régulier, éliminant le blocage des roues. La tenue de route a été encore améliorée. La 505 V6 bénéficie d'un nouveau train avant à déport réduit et d'une direction dont l'assistance varie en fonction de la vitesse. Dans le double but de parfaire l'aérodynamisme et d'assurer un confort sonore intérieur maximum, la 505 V6 bénéficie d'améliorations techniques appréciables. 2 déflecteurs souples sous la jupe avant, renforcement de l'étanchéité de la face avant, adjonction de double joint sur les 4 portes. C'est dans ce même esprit de confort et d'exigence qu'ont été réalisés les équipements extérieurs et intérieurs. Jantes en alliage léger, filet décoratif qui souligne et affine sa silhouette, 2 rétroviseurs dégivrables à glace bleutée commandés électriquement. Coffre garni de moquettes. Les 4 portes sont équipées de lève-vitres électriques. À l'intérieur règne fonctionnalité, luxe et confort. Garnissage tout velours. Appuie-tête avant et arrière réglable. Régulation automatique de température. Miroir de courtoisie occultable avec éclairage. Par ses moindres détails, la 505 V6 est une véritable voiture salon destinée aux clients les plus exigeants. Les nouvelles Peugeot 505, GTD Turbo, Turbo-injection et V6 s'adressent au même type de clientèle, ayant des besoins différents et des exigences communes. Elles satisferont aussi bien les gros rouleurs à la recherche de l'économie, les sportifs en quête de performance et de haute sécurité, les amateurs de véhicules de grand tourisme de luxe.